Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler de la prédation des plateformes du numérique sur la presse. Alerte sur les droits voisins, notamment pour la presse indépendante. C'est le sujet de notre discussion du jour avec les journalistes Edoui Plenel, Marie-Hédin Christophe et le député Modem Laurent Garcia. Mais d'abord, on fera un retour par le Sénégal avec Justine Brabant. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Notre journaliste Justine Brabant est en ce moment au Sénégal où elle a suivi les élections locales qui se déroulaient ce dimanche. Elles ont été présentées par beaucoup d'observateurs comme une défaite pour le président Macky Sall qui est au pouvoir depuis 10 ans et qui était la cible d'un fort mouvement de contestation de la jeunesse, notamment l'an dernier. Justine, salut, tu es avec nous depuis Dakar après ces élections. Le pouvoir de Macky Sall est-il en difficulté ? Eh bien oui et non. Oui, parce que l'opposition a gagné des villes importantes symboliquement. Un exemple, Guédiaouai, une grande ville populaire de la banlieue de Dakar, dont le maire depuis 2014 est le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Aliou Sall avait un peu fanfaronné pendant la campagne en disant que pour lui c'était gagné d'avance. Il a sans doute parlé un peu trop vite parce qu'il a été battu par un célèbre animateur de radio, Ahmed Aïdara, qui se présentait pour la première fois. Alors Ahmed Aïdara, les Sénégalaises et les Sénégalais le connaissent surtout pour ça, sa revue de presse truculente en Wolof tous les matins. Dikatina, saful yap saful den, le soleil yene kayne sunu gayne lin wanti kan bi day dalul xel, tribune sport ne. Et c'est donc maintenant le nouveau maire de Guédiaouai. On l'a croisé à son bureau de vote avec la correspondante de Mediapart au Sénégal, Arwa Barkala. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un peu plus solennel que lorsqu'il anime ses émissions de radio. Les jeunes sont engagés, le peuple souffre. En colère contre le gouvernement, etc. Et puis, surtout ici à Guédiaouai, tout le monde a vraiment hâte de quand même changer ce régime local-là. Et les populations, là, vraiment, les populations veulent un changement et un changement radical dans la gestion locale. À part cette défaite symboliquement importante pour le président de la République, ces élections sont aussi une forme de défaite pour le pouvoir parce qu'il n'a pas réussi à remporter la capitale, Dakar, qui reste aux mains de l'opposition. Le maire de Dakar, le nouveau maire de Dakar s'appelle Barthélémy Diass. Il est notamment connu pour avoir tiré à balles réelles sur les partisans d'un de ses adversaires en 2011. Il a fait 6 mois de prison pour ça. Dimanche soir, j'étais dans son quartier à Mermoz Sacré-Cœur. Il n'y avait pas de pistolet, mais une sacrée ambiance quand même. Voilà quelques images. Pour autant, il faut rester prudent quand on parle de défaite pour le camp du président Macky Sall pour deux raisons principales. Déjà parce que ça n'est pas une énorme surprise. Historiquement, au Sénégal, les grandes villes sont plutôt contestataires et les zones rurales, elles, votent plutôt pour les gens au pouvoir. C'est sans doute en partie ce qui s'est passé dimanche, même si on attend encore, si à l'heure où je vous parle, on connaît toujours pas les résultats définitifs. Et surtout, ce qu'il faut absolument garder en tête, comme pour des élections en France d'ailleurs, c'est ce que représentent les votants par rapport à la totalité de la population. Lors des dernières municipales en 2014, le taux de participation était de 37%, sachant qu'on parle de 37% des inscrits sur les listes électorales. Or, les inscrits ne représentent eux-mêmes qu'une petite partie de la population sénégalaise. Si ce taux de participation est resté à peu près le même dimanche, ça voudra dire que le choix exprimé était en fait celui de seulement 15% de la totalité des 17 millions de Sénégalais et Sénégalaises, ce qui pousse quand même à pas mal d'humilité sur ce que ce vote dit ou pas de la société sénégalaise aujourd'hui. Vous retrouvez les articles de Justine Brabant au Sénégal sur Mediapart. Prochaine échéance au Sénégal, prochaine échéance électorale, les législatives, c'est dans 5 mois. On va accueillir maintenant nos invités du jour, Edoui Plenel, Marie-Hédin Christophe et le député Laurent Garcia. Alors, on va parler des droits voisins. Les droits voisins, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. C'est normal, parce que d'ailleurs, beaucoup de médias n'ont pas vraiment envie de vous en parler. C'est un sujet qui peut paraître compliqué. On peut choisir de le présenter de façon très technique pour les seuls initiés. On peut aussi choisir de le raconter plus simplement, comme l'a fait Laurent Mauduit sur Mediapart récemment. Il écrit « Si la situation de la presse française est préoccupante, c'est qu'elle fait l'objet d'un double asservissement contrôlé par une poignée de milliardaires. »
elle est aussi sous la coupe de quelques grands oligopoles américains qui pèsent de plus en plus lourdement sur sa vie économique, mais aussi sur ses pratiques éditoriales. Voilà de quoi on va parler. Il y sera question des plateformes du numérique comme Google et Facebook et de la prédation qu'elles exercent sur les revenus des médias, d'accords secrets passés entre ces plateformes et les principaux journaux quotidiens nationaux et régionaux, en fait de tout un écosystème qui se met en place et pourrait bien nuire à la presse indépendante, dont, bien sûr, vous le savez, Mediapart fait partie, mais il y a beaucoup d'autres acteurs en France de cette presse indépendante. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Edoui Penel, pas la peine de vous le présenter, président et cofondateur de Mediapart, salut. Bonjour. Marie-Hédin Christophe, vous êtes directrice générale de la Lettre du Musicien, membre du SPIL, un syndicat qui regroupe 230 éditeurs de la presse indépendante en ligne. Et vous, Laurent Garcia, bonjour, vous êtes député du Modem de Meurthe-et-Moselle, vous êtes rapporteur d'une mission d'information de l'Assemblée nationale sur ce fameux sujet des droits voisins. Alors, en quelques secondes, je vais tenter de résumer rapidement de quoi on va parler et pourquoi c'est important. L'histoire commence dans les années 2000, quand les mastodontes du numérique, comme Google, s'intéressent à la presse, ils pillent ses contenus et en tirent des revenus. Alors, en 2013, les plus grands médias français trouvent un accord secret avec Google qui met 20 millions d'euros sur la table pour aider à la transition numérique de la presse française. Des accords qui vont être passés aussi dans d'autres pays européens. En 2019, une directive européenne est adoptée. Elle affirme que les médias sont des producteurs d'informations et donc, en tant que producteurs d'informations, ils ont des droits inaliénables, des droits d'auteur, en fait, qu'on appelle les droits voisins. Elle rappelle, en fait, cette directive, une chose assez simple, les plateformes ne peuvent pas distribuer de simples oboles aux médias s'ils veulent utiliser leur contenu, il faut rémunérer ces droits. Cette directive de régulation, elle est destinée à limiter la prédation des plateformes et elle est transposée dans la loi française en 2019. On aurait pu s'attendre alors à ce que les médias français négocient tous ensemble avec Google et Facebook, sauf que depuis, d'importants médias comme Le Monde, Le Figaro, l'Obs, L'Express, mais aussi l'agence France Presse ont négocié en solo leurs propres accords, secrets eux aussi, avec Google et Facebook, qui leur versent donc beaucoup d'argent en échange de l'utilisation de leur contenu. Des accords donc secrets, sans transparence, donc ce que les uns et les autres ici vous dénoncez. Marie-Hédin Christophe, vous représentez, je l'ai dit, les 230 éditeurs de la presse indépendante réunis au sein du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. J'ai résumé à gros traits, j'espère que ça allait. Le SPIL veut alerter en ce moment sur ce que vous qualifiez comme étant des accords opaques et inéquitables. Pourquoi opaques, pourquoi inéquitables et pourquoi c'est un problème ? Alors, je vous remercie déjà de l'invitation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense que c'est très important que les Françaises et les Français aujourd'hui comprennent les enjeux derrière cette bataille des droits voisins. Si vous permettez, moi, il y a d'abord un élément de contexte que je voudrais donner, parce qu'avant de parler de droits, de montants, de rémunération, je crois qu'il faut comprendre la situation dans laquelle la presse écrite se trouve aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu d'intérêt national. Pour la liberté d'expression, pour le pluralisme également de la presse. Et donc je crois qu'il y a quelques chiffres qu'il faut que les citoyens aient à l'esprit. Il faut savoir qu'en 1998, le chiffre d'affaires global du secteur de la presse écrite, c'était 13 milliards d'euros en France. 20 ans plus tard, c'est 6 milliards d'euros. C'est divisé par deux. Donc qu'est-ce qui se passe quand on paupérise un secteur de la presse de cette manière-là ? On ferme des médias, on dépose le bilan. Donc ça attaque directement le pluralisme des idées. On ferme des agences dans des pays à risque, par exemple en Afghanistan, il n'y a que l'AFP en effet qui a un endroit qui peut nous permettre de voir ce qui se passe dans ce pays. Donc là, si vous ne pouvez plus financer des dépenses de sécurité, vous fermez ces lieux, donc vous n'avez plus accès à cette information-là. Vous transformez le statut des journalistes, vous les transformez en chargés de contenu, ou alors vous vendez votre titre au plus offrant, et notamment à des grands groupes qui finissent par finalement lier ce média qui devient complètement lié à un intérêt économique d'une entreprise qui a un autre objet. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à nos portes, ça s'est fait. En Australie, de nombreux médias ont mis la clé sous la porte, et donc je crois qu'il faut comprendre aujourd'hui que l'idée des droits voisins, qui existe, on pourra y revenir dans le secteur de la musique, c'est de changer de modèle économique, c'est de renverser la tendance avec des distributeurs qui ont tout pouvoir, finalement, sur la valeur ajoutée, finalement, de la presse. Ces plateformes numériques, quoi. Et qui ont capté financièrement ces montants. Parce que comment on est passé de 13 milliards à 6 milliards ? En fait, les revenus publicitaires, notamment, sont passés à eux seuls de 5 à 2 milliards. Donc, il y a 3 milliards qui ont disparu. Où est cet argent ?
Tout simplement, notamment chez Google et chez les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, toute entreprise est tout à fait séduite par le fait de faire des campagnes publicitaires sur ces plateformes, parce qu'ils disposent des données, de l'impact, et ne travaillent plus nécessairement avec les médias. Et donc typiquement, ces revenus publicitaires sont partis chez les plateformes. Il s'agit donc de renverser la tendance et de partager ces recettes à la juste valeur du travail éditorial qui est fait. Je vais revenir à vous, mais Edoui, c'est la raison pour laquelle on parle de prédation. Quels sont les enjeux en particulier pour la presse indépendante? Mais surtout, voilà, de quoi on parle? Quel est l'enjeu là? On parle tout simplement de l'écosystème de quelque chose qui est essentiel à la démocratie. Mediapart a été cofondateur du SPIL et nous en sommes adhérents. Et depuis que nous existons, nous faisons notre journal. Et nous faisons notre journal comme on le fait, vivant que de nos abonnés, pas de publicité, totalement numérique. Mais en même temps que nous faisons notre journal, comme je dis souvent, on peut être un petit poisson vertueux. Mais si on est dans une mer polluée, on n'a pas beaucoup d'avenir. Donc l'important, c'est de dépolluer la mer. Donc depuis le début, on se bat pour réformer l'ensemble du système. C'est ce qu'on a fait, statut de la presse en ligne, égalité entre presse papier et presse numérique sur la TVA, et transparence des aides, on reviendra à des aides publiques sur cette question. Et là, aujourd'hui, on est au cœur d'une bataille décisive. Il y a des prédateurs. C'est normal, il y a eu une révolution numérique, il y a des plateformes. Elles sont sans frontières, elles sont abritées dans des paradis fiscaux, elles dépendent de la loi américaine qui leur permet plein de choses alors qu'elles ne sont pas sous le contrôle des lois nationales, et elles prennent, et elles détournent, au fond, des profits qu'elles font, d'une part, avec la publicité qu'elles ramassent, mais aussi simplement avec le fait qu'on a accès à nos contenus, y compris nous qui ne vivons pas de la publicité, par ces plateformes, par ces moteurs de recherche, par ces réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'importe dans la bataille que nous menons aujourd'hui en France, c'est que d'une part, il y a des prédateurs, et de l'autre côté, je dirais, il y a des rentiers. Qui sont les rentiers? Tous ces milliardaires qui ont pris contrôle, comme ça vient d'être décrit, d'une presse fragile, d'une presse en difficulté, et ils arrivent, soi-disant, pour la sauver, mais en fait, pour acheter de l'influence et de la protection, et ils ne mettent pas la main à la poche. Donc, d'un côté, ils ont les aides publiques, spécificité française, que nous dénonçons depuis toujours. Le premier bénéficiaire des aides publiques de la presse aujourd'hui, c'est le groupe LVMH avec Les Échos et Le Parisien. 16 millions en 2019, et c'était avant le quoi qu'il en coûte de 2020 et 2021. Les aides à la presse aujourd'hui, c'est 23,3% du chiffre d'affaires du secteur. Il y a 15 ans, c'était 12%. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a une manne publique qui leur permet, au fond, d'arranger les comptes. Et puis, du coup, ils veulent une manne privée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la bataille, elle a commencé en 2012, sous la présidence de François Hollande. Ils sont venus, ils ont mis de côté la nouvelle presse indépendante, ils ont créé une association, l'association IPG, de la presse d'information politique et générale. Nous sommes IPG, et ce n'est pas propre, etc. Ils ont créé une association fermée, sans pure player, sans la nouvelle presse. Ils ont été toqués, phénomène français, ils n'ont pas été voir le Parlement, ils ont été voir le président. Et le président a signé à l'Élysée, a été le parrain du premier accord fait entre la presse française, cette presse, cette vieille presse, contrôlée par les milliardaires, et Google, de Peccadille pour Google. Mais la France a été le laboratoire, et c'est après que Google a continué à étendre ça. Là-dessus, un député français, un parlementaire européen, s'est réveillé, il est de la même sensibilité politique que notre invité député, qui est Jean-Marie Cavada, ancien journaliste lui-même, et c'est lui qui a mené la bataille au Parlement européen, il a vu ça. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que donc, on a ces milliardaires qui achètent de l'influence, qui piquent de l'argent public d'un côté, et qui veulent, eux, capter ce que doit à tout le monde Google. Donc l'enjeu est tout simple, Google ou Facebook, l'enjeu est tout simple, c'est que premièrement, cet argent doit être géré de manière transparente, de manière collective et réparti sans créer des abus de position dominante et dans le respect du pluralisme. Donc on va continuer à détailler ça, mais c'est un enjeu essentiel ou autrement, comme c'est dit dans le rapport parlementaire, en fait on va permettre une économie de rente pour ces propriétaires de médias qui n'investissent pas dans les médias, achètent de l'influence garantie par l'État et par
les grands GAFAM qui les aident. Alors, j'en viens à vous, justement, Laurent Garcia. Vous avez publié, donc, député MoDem de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes rapporteur de cette mission d'information qui vient de rendre ce rapport. Droit voisin de la presse pour des accords totalement transparents, équitables et volontairement collectifs. Voilà, tout est dit. Présidé, d'ailleurs, par la députée Les Républicains, Virginie Duby-Muller. Et c'est un rapport qui a été adopté à l'unanimité par les parlementaires qui étaient dans cette mission d'information. Finalement, là, ce que vous dites aussi dans ce rapport rejoint quand même un petit peu ce que viennent de dire, même assez clairement, ce que vient de dire Edoui et Marie. Pourquoi aujourd'hui cette mission a unanimement dit là nous avons un problème de transparence. Quel est ce problème de transparence très précisément? Le problème de transparence, déjà merci de votre invitation. Ce problème de transparence, il est lié au fait que il y a 2 ans, la transcription de la directive européenne sur l'article 15, justement, qui met en œuvre le droit voisin, a été adoptée et transcrite en droit français, c'était en 2019. Le rapport vient de sortir. 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Rien ou quasiment. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les grandes plateformes ne versent quasiment rien eu égard au montant qu'elles engrangent, elles, par les datas dont parlait Edoui Plenel à l'instant, ou par les contenus tout simplement, et bien de publicité, et a fait fondre cette manne financière vis-à-vis de la presse. Ça a été évoqué par Edoui Plenel. Oui, le vrai enjeu, c'est la démocratie. Une presse de qualité, pluraliste, indépendante, ça coûte. Eh ben, il est temps que, justement, et le rapport parlementaire le dit clairement, il est temps que les plateformes contribuent à ces montants pour rendre à la presse, avec un corollaire supplémentaire qui est derrière la rémunération des journalistes. Oui. Vous dites même dans le rapport que l'intention du législateur n'a pas été respectée, c'est-à-dire que la loi qui était censée justement garantir une juste rémunération finalement des éditeurs... Finalement, elle n'est pas respectée aujourd'hui. Elle n'est pas respectée. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait que c'est pas... Alors, on l'a très clairement vu en audition. Les auditions étaient publiques, sauf les plateformes, qui avaient souhaité qu'elles soient à huis clos. Et malgré le huis clos, on n'a pas réussi à avoir les informations. On demandait quoi? Vous leur avez demandé quoi? Très clairement, comment vous estimez le droit voisin, c'est-à-dire comment vous les données, les datas, ce qui fait la richesse, comment vous les déterminez, tout simplement. Et donc, on n'a eu aucune réponse. Vous leur avez demandé aussi quels étaient les contrats qu'ils avaient passés avec certains éditeurs de presse en France. Alors, on l'a demandé à la fois aux plateformes, mais aussi... Et là-dessus, la réponse de... Alors, la réponse a été assez évasive, on n'avait pas eu de montant. Certains ont annoncé qu'ils avaient signé, effectivement, des accords, mais comme ça a été évoqué à l'instant, des accords en B2B, je ne vais pas dire en catimini, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il y a eu des accords en B2B, et une des recommandations du rapport, c'est d'aller vers la gestion collective, l'organisme de gestion collective présidé par Jean-Marie Cavada. Donc on vous retrouve là-dessus, Marie Hédin et Christophe, pourquoi vous dites que c'est particulièrement nuisible et problématique pour la presse indépendante? Alors, la question, c'est la question en fait du pluralisme et de la diversité. On l'a dit, les grands médias peuvent, par rapport aux forces en présence et aux rapports économiques, peut-être c'est intéressant aussi de voir le chiffre d'affaires. On rappelle quand même que Google, c'est 180 milliards d'euros, alors que la presse, on l'a dit tout à l'heure, maintenant, c'est 6 milliards d'euros en France. Mmh. Et je pense que quand on prend conscience de ce rapport, si on fait une moyenne par éditeur de presse, on est à 1 contre 27 000. Moi, je dis ça, mais enfin, le sac de Rome, c'était même pas ça. Hein. Enfin, moi, j'y vais pas personnellement. Je mène pas la bataille en direct. Hein. Moi, c'est le média, la lettre du musicien. Je toque pas à la porte pour essayer de faire valoir mes droits. Donc, c'est vital aujourd'hui qu'il y ait cet élan collectif. D'où le fait, effectivement, que Droit Voisin Presse, qui est le nouvel organisme de gestion collective qui a été créé en octobre, et dont d'ailleurs la lettre du musicien est trésorier et membre du bureau au nom du SPIL, c'est pour ça que cet organisme, en fait, nous, on appelle à ce que tout le monde nous rejoigne. Il faut arrêter de négocier dans son coin. C'est ça que vous dites aux autres éditeurs de presse qui ont négocié des choses avec Google et Facebook. Je leur dis, arrêtez de négocier dans votre coin et on négocie tous ensemble. Si on veut protéger le pluralisme, il faut qu'on garde la main aussi sur les clés de répartition. Parce que ce qui est très important, c'est que tous les critères qui permettent de définir la valeur de ce droit puissent être mis en place. Que ça soit surtout pas uniquement la mesure d'audience.
Parce que si, en fait, vous êtes dans une logique de rémunération par rapport au clic et à l'audience, eh ben, en fait, même le journalisme va être affecté. C'est-à-dire qu'on va pousser les journalistes à faire des titres accrocheurs et à être tout le temps dans cette recherche du clic. Mmh. Alors que si vous créez un organisme de gestion collective, vous pouvez mettre en place collectivement plusieurs critères de rémunération pour les éditeurs. Non seulement, évidemment, l'audience, parce que c'est dans la loi et c'est normal que le succès des titres soit rétribué proportionnellement à cet aspect-là, mais également la qualité éditoriale et les investissements éditoriaux. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de journalistes que vous embauchez, les dépenses éditoriales que vous faites. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Mais je peux vous dire que si vous allez voir aujourd'hui les plateformes et les distributeurs, eux, ça rentre même pas en ligne de compte. Eux, ils voient combien de recettes publicitaires ils touchent, et puis après, ils font à partir de là une proposition commerciale. Et je précise d'ailleurs qu'on n'est pas dans un accord commercial, c'est un droit voisin, on y reviendra peut-être. Et donc là, le fait de collectivement se mettre autour de la table, ça permet de dire, bah voilà, on va pondérer, et c'est ce sur quoi on s'est accordé avec nos collègues du syndicat de la presse magazine, les agences qui sont là aussi autour de la table, de prendre en compte cet aspect-là. Je reviens juste sur la partie transparence des accords. Pourquoi est-ce que c'est vital aujourd'hui ? Parce que Google et les autres plateformes sont les seuls à détenir cette information des recettes, des revenus qu'on appelle directs, ou indirect. Alors, les revenus directs, c'est effectivement les publicités qui vont réussir à vendre quand les gens cherchent un contenu sur lesquels, finalement, le contenu du média va faire levier, va valoriser. Mais ensuite, il y a toute la partie indirecte, c'est-à-dire rien que Google, aujourd'hui, si vous retirez les contenus, alors les contenus, évidemment, presse, mais aussi les données des utilisateurs, pour retirer les contenus, c'est un no man's land. Donc, en fait, la valeur, c'est le contenu. Et donc, finalement, même indirectement, on a aussi un droit, sous prétexte qu'on publie un contenu qui est proposé par Google, toute valeur qui va être retirée, en fait, est due et doit être rétribuée. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas laisser la main à ces distributeurs pour définir dans leur coin quelle va être la tranche de revenus applicable. Mmh. En fait, il faut aujourd'hui qu'on ait l'information sur ce qui est négocié. Je vois Edoui Akissé, et après j'ai une petite question pour vous, Laurent Garcia. Non, mais c'est important parce que cette expression « droit voisin », on a l'air que c'est technique. C'est « droit voisin du droit d'auteur ». Ça veut dire qu'il y a des auteurs de la création de richesses qui créent de la valeur. C'est nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, cette création de richesse, d'une part, elle a été détruite, ce qui a été rappelé au tout début d'émission, et puis maintenant, elle est captée, une prédation. Donc la question, c'est que cette richesse, il faut que nous ayons la main sur cette richesse. Et là où vous, parlementaires, vous faites votre travail face à un pouvoir exécutif qui, en clair, depuis que a lieu cette bataille, est pour l'instant du côté des plateformes. Heureusement que vous êtes là et que le parlementarisme se dresse. Parce que, fondamentalement, la question de la presse, qui n'est pas une marchandise comme les autres, de l'information, quel que soit son support, c'est la vitalité de la démocratie. Et ça suppose quoi ? Ça suppose accessibilité. Je rappelle qu'on parle de plateformes. Nous sommes sur le numérique, est-ce qu'on est accessible ? Deuxièmement, pluralisme. Est-ce que les petits qui ont une opinion un peu divergente vont pouvoir le dire, ou est-ce que les gros, y compris aujourd'hui diffusant des idéologies de haine, racistes et autres, vont tout étouffer ? Et puis, enfin, transparence. Vieille formule de la Révolution française, la publicité est la sauvegarde du peuple. 13 août 1789, tout doit être public. Et là, nous sommes face à une situation où vous avez à la fois des abus de position dominante, une concurrence faussée et des conflits d'intérêts. Abus de position dominante, c'est dans votre rapport. Le patron du groupe Le Monde est venu dire « Nous, on est le champion ». Donc, comme on est le premier de cordée, c'est à la mode, ben, on peut marcher sur la tête des autres. Et on n'a pas besoin d'être solidaire. Ce qui est Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui avait fait une conférence historique sur la presse et l'argent, il doit se retourner. C'est comme si je ne suis pas dans l'écosystème, je suis le gros requin, j'ai mangé tous les petits poissons. Et c'est en plus une position dominante artificielle, comme je viens de le dire, avec les aides publiques, avec ces accords secrets. Donc, accords secrets. Comme le capital peut être secret, comme les influences peuvent être secrètes. Je dis ça à toutes les consoeurs et confrères. C'est le journalisme qui est en jeu. Mmh. Ça veut dire que c'est des médias qui peuvent être vendus en secret demain. Le capital peut changer, comme dans l'entre-deux-guerres, sans qu'on s'en aperçoive. Il peut y avoir des accords de capitaux et des accords commerciaux qui sont secrets pour les salariés eux-mêmes. Donc, nous revendiquons quoi ? Nous revendiquons qu'il faut interdire ces accords de gré à gré sur ce qui est un bien commun de la production de valeur
qui concerne tout le monde, qui est l'information. Pas d'accord de gré à gré. Déjà, qu'ils soient transparents, c'est une bataille, mais à terme, il faut les interdire. Et deuxièmement, c'est ce qui a été loupé au Parlement européen, c'est-à-dire que Jean-Marie Cavada a réussi à faire passer la directive, après s'être fait retoquer parce qu'il voulait imposer l'organisme collectif. Finalement, il n'a pas pu. Donc du coup, c'est une bataille de dire, et merci encore une fois de votre rapport, j'espère que les autres législatures s'en empareront, pour dire non, ça doit aller dans un organisme collectif. S'ils veulent faire des accords commerciaux, c'est autre chose. Mais ce qui concerne le droit voisin du droit d'auteur, de la production de valeur par tous les travailleurs, travailleuses de l'information, eh bien, ça doit aller dans un organisme collectif. Ce n'est pas un hasard si notre consoeur, elle vient du milieu de la culture et de la musique, la SACEM est membre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que connaissent bien tous les artistes, tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Laurent Garcia, quel écho a rencontré votre rapport, est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Est-ce que des médias en ont beaucoup parlé, par exemple, ou est-ce que vous avez constaté un relatif silence? Alors, j'ai pas l'impression que tous les médias se soient encore emparés du rapport, mais bon, il est pas interdit de... Il est public, accessible. Et il est sur le site de l'Assemblée nationale, il est public. Donc, est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat? C'est votre habitude, allez-y. Et après, il reprend la parole. Non, je mets les pieds dans le plat. Nous, on a fait, comme vous le savez, on suit ça en détail. On a même mis en ligne tout le rapport L'AFP, qui elle-même a fait un accord dont nous avons révélé le montant, 10 millions d'euros, etc., parallèlement avec une plateforme, l'AFP a fait une dépêche. Cette dépêche a été reprise sur un des fils d'un des grands journaux français, le Figaro, mais il n'y a pas eu d'article en tant que tel, ni dans Le Monde, ni dans Libération, ni dans Le Figaro. La rubrique média de tous ces journaux devait dire « mais ça concerne mon secteur ». Et je ne comprends pas cette autocensure. Je suis sidéré. Bon, alors pour le coup, ça, je pense que ça devrait venir, parce que j'ai été interviewé par Le Monde. Ça se réveille. J'ai fait une sortie là-dessus au Sénat il y a 4 jours. Alors peut-être que ça se réveille. Laurent Garcia, là-dessus, du coup, sur l'écho, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics sont sensibles à cette question, ou que finalement, ici, de ce côté-là de la table, il y a une contestation un peu aussi de ce système-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience du fait que ça peut créer des inégalités, que ça peut être particulièrement nuisible à certains types? Pour avoir posé une question encore cet après-midi au gouvernement sur ce sujet, c'est Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui a répondu. Elle a rappelé à juste titre que l'autorité de la concurrence avait infligé 500 millions d'euros d'amende à Google pour accord opaque et pour non-négociation de bonne foi, puisque c'est le terme qui convient et qui est dédié à cela. Google a payé les 500 millions d'euros et ça se met en place tout doucement. Maintenant, espérons, et c'est une des recommandations, en tout cas un souhait du rapport, que la présidence française de l'Union européenne va inciter la transcription dans tous les pays européens, parce qu'aujourd'hui on est loin de cela. Vous évoquiez tout à l'heure les contenus et les accords. La mission parlementaire n'a pas réussi à avoir et à poser la question la différence entre accords commerciaux et accords droits voisins, c'est-à-dire, et c'est le piège, on utilise ce mot-là, c'est le piège de la rémunération forfaitaire. Expliquez-nous là. La rémunération forfaitaire, eh bien la plateforme va voir le négocier avec l'éditeur de presse et dit, ben voilà, pour la globalité droit voisin, mais accord commercial pour etc., c'est tant. Et ils se mettent d'accord sur ce montant. Mais le droit voisin en tant que tel n'est pas exfiltré. Le droit d'auteur, il n'est pas mesuré, il n'est pas quantifié. Mais ça, c'est parce qu'en fait, Google n'a pas intérêt à donner une valeur à ce droit. Évidemment. Parce qu'en fait, dans la foulée, elle crée un précédent. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que le monde entier regarde ce qui est en train de se passer. Et il y a d'autres pays où il y a eu des tentatives. Il faut quand même connaître l'attitude qu'a pu avoir Google dans certains pays. Je prends l'Espagne, par exemple. Il y a eu une gestion collective obligatoire. Mais ils ont fermé Google Actualité. D'accord. En Australie, il y a eu un projet qui a été fait où derrière une commission devait potentiellement définir le taux et l'assiette de la rémunération si les co-contractants ne se mettaient pas d'accord.
Et là, la directrice générale de Google Australie a fait pression sur les parlementaires en disant on pourra être dans l'obligation de supprimer Google Search, c'est-à-dire Google, le moteur de recherche, pour tout le pays en Australie. D'accord, donc du chantage, des menaces très claires. Donc là, on en est à ce clairement type d'attitude. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a perdu 12 ans. En effet, en 2010, il y avait déjà des prémices, des évocations par les éditeurs français de la notion de droit voisin. Grâce au financement, par le biais d'une fondation, on a mis ce projet de côté, comme l'a évoqué Edwy. Et donc là, en fait, depuis toutes ces années, ces essais avortés en Allemagne aussi en 2013, on a perdu tout ce temps. Donc là, il faut arrêter de perdre ce temps. Il faut mettre en place ce droit qui est censé être en vigueur depuis juillet 2019 en France et qui ne l'est pas. Donc là, moi, je salue l'autorité de la concurrence qui a quand même condamné à 500 millions d'euros Google a payé. C'est la plus haute amende que l'autorité de la concurrence ait jamais décrétée. Donc là, je pense qu'on est à un tournant et j'en appelle vraiment au soutien. Et là, on l'a vu et je remercie vraiment le travail de la commission pour ce rapport d'information qui met le doigt sur toutes les problématiques du dossier. Et maintenant, j'en appelle au soutien plein et entier de l'État et peut-être qu'il faudra un jour, en effet, en venir à une gestion collective obligatoire. En tout cas, rien n'est perdu par rapport à ça, parce que les accords qui sont faits aujourd'hui ne veulent pas dire que, à court ou moyen terme, ces mêmes organisations ne peuvent pas rejoindre l'organisation collective. Et c'est vraiment ce qu'on espère. On indique dans le rapport, tout à fait, que c'est pas parce qu'elles ont contracté aujourd'hui en B2B qu'elles ne pourront pas intégrer l'organisme de gestion collective. C'est une des revendications, en tout cas une des propositions du rapport, en disant inciter, parce qu'on n'a pas le moyen d'obliger, mais inciter tous les éditeurs de presse à intégrer l'organisme de gestion collective. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être passés par le plateau d'Aller Libre. On suivra évidemment tout ça sur Mediapart et on retrouve tous les détails, notamment le plaidoyer du Spiel sur cette question des droits voisins sur le site du Spiel, spiel.org. Voilà. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. Karl Laske et Jacques Masset continuent d'enquêter sur l'entourage du candidat Éric Zemmour. Ils se sont penchés sur les nombreux invités VIP du meeting de Villepinte, parmi eux des responsables identitaires, des anciens d'Ordre Nouveau et du GUD, mais aussi des royalistes et des anciens de la Manif pour tous, que du beau monde. Nejma Brahim a rencontré au sud de l'Espagne l'un de ces passeurs qui font traverser la Méditerranée aux exilés algériens. Il s'appelle Bachir, il est payé 15 000 euros par traversée et il prévient, l'exil ne s'arrêtera jamais. Redidja Zerouali se penche sur la case des services publics depuis les Pyrénées-Orientales. À Saint-Cyprien, la poste est fermée depuis maintenant un an. Un abandon de plus pour les habitants, notamment les plus âgés. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Bonne soirée.